Bonjour à tous et bienvenue dans cette dixième partie du chapitre Le plan repéré et les vecteurs. Alors dans la partie précédente, on a parlé de l'addition de deux vecteurs. Dans cette partie, on va parler de la multiplication d'un nombre par un vecteur. Alors on commence avec une définition. On va prendre U, un vecteur de coordonnées ici Y, et K, un réel. Et on va s'intéresser à la multiplication de K par U. Donc le vecteur K fois U, c'est le vecteur qui a pour coordonnées tout simplement kx et ky, c'est-à-dire qu'on multiplie les coordonnées par k. Voilà. Alors on va voir sur un exemple que c'est très simple. Si u a pour coordonnées 2 moins 3, eh bien 5u, ben je multiplie les coordonnées par 2, l'abscisse par 5, pardon, je multiplie l'abscisse par 5, 2 fois 5, 10, et l'ordonnée par 5, moins 3 fois 5, ça fait bien moins 15. Voilà. Alors je vous rappelle que 5u, c'est en fait u plus u plus u plus u, etc. 5 fois. Enfin, pour obtenir les coordonnées, c'est quand même plus simple de multiplier par 5. Alors, une remarque, si k est égal à 0 ou si le vecteur u est égal au vecteur nul, à ce moment-là, quand vous multipliez les deux, ça fait forcément le vecteur nul. Soit le nombre, si le nombre vaut 0 ou si le vecteur est nul, mais le résultat sera le vecteur nul. À une propriété, si u et v sont deux vecteurs et si k et k' sont deux réels, eh bien on va voir des propriétés qui vont vous paraître, je pense, assez évidentes. Si vous faites k fois u plus v, eh bien c'est ku plus kv. On développe, c'est comme un développement classique, hein. De la même façon, si vous faites k plus k' fois le vecteur u, ça fait k fois u plus k' fois u. C'est encore une fois les propriétés classiques de distributivité. Une troisième propriété qui s'appelle l'associativité, quand vous faites k fois k' u, eh bien c'est comme si vous faisiez d'abord k fois k', et puis qu'après vous multipliez par u. Voilà. Et enfin, dernière chose, une fois le vecteur u, c'est égal au vecteur u. On dit que 1, c'est l'élément neutre, c'est-à-dire que si vous multipliez un vecteur par 1, bah c'est comme si vous ne faisiez rien.